נוסעים לרבי הקדוש על ראש השנה, נוסעים לרבי, נוסעים לרבי, נוסעים לרבי על ראש השנה, נוסעים לרבי. חף חת פסאז' בית. Alors on fait les Ilul Nishmat, le Shiur les Ilul Nishmat, Chaya Hana Bat Shmuel, c'est son Yortzayt aujourd'hui, c'est le 10 Adar. Donc chez Yesh le Yirei Hashem Harafot Ubushot, on l'a fait déjà hier, mais je vais reprendre un petit peu parce que c'était, il y avait des points qu'il faut éclaircir un peu. Donc quand les Yirei Hashem, les gens qui craignent Hashem, ils ont des hontes et des mépris, mais à Kofri Maelou, qui viennent de la part de ces hérétiques. La etza, le conseil de se considérer comme un ver et pas comme un rampant et pas comme un être humain. Cherpat Adam, à dire Cherpat Adam, je suis la honte des hommes. Donc quand c'est écrit dans Tehilim, David Amelech, il veut dire Anochi tola ad velo ish, c'est-à-dire que moi je me considère comme un rampant et pas comme un homme. Ça c'est pourquoi pour Cherpat Adam, c'est-à-dire quand les gens ils me méprisent, ils me font honte. Alors moi, je dois me considérer comme étant un rampant. La charafot ou bisionot. Donc pour les hontes et les mépris, c'est goula la zeprinat tola. Donc la segula, c'est de se considérer comme un tola, c'est-à-dire comme un rampant. J'ai aidé prina azot menatseach oivav. Avec cette prina, il est menatseach ses oivim, ses ennemis. Kitola ou prinat emuna. Parce que le principe de Tola, le principe de rampant, c'est le principe de la Emouna. Maintenant, dans ce que ici Rabbeinu il donne, il amène, Rabbeinu toujours quand il amène quelque chose, il est très très précis dans même les psukim que Rabbeinu utilise pour amener sa Torah. Il y a aussi des choses qui sont très précises et qui amènent aussi une ouverture dans l'étude. Quand Rabbeinu utilise ici le lien qu'il amène de Tola, du rampant, c'est que la définition même du rampant, c'est le tikkun de ceux qui ont une Torah qui n'a pas de pied. Parce que les maasés, la Torah qui n'a pas de pied, c'est une Torah qui est le contraire de la Emouna. Parce que la Emouna, le principe de la Emouna, normalement, c'est les pieds. C'est-à-dire la Emouna, le principe de la Emouna, il se trouve dans les pieds de la personne. Pourquoi ? Parce que la Emouna, c'est elle qui entraîne l'engagement. Quand quelqu'un il s'engage, c'est parce qu'il a eu confiance que c'est ça la vérité. Donc il s'est engagé. Maintenant, quand ces gens-là, ils viennent, quand ces gens-là, ils sont venus, ces gens-là qui ont cette Torah-là, ils sont venus mépriser les gens qui ont de la Emouna. Ils sont venus les mépriser en leur disant ce que vous enseignez, la Torah que vous avez, etc., c'est rien du tout. Maintenant, d'où ça vient qu'ils viennent faire honte aux gens qui sont dans la Emouna? Ça vient qu'ils reçoivent la Torah de ces Talmidei Chachamim qui prennent le Torah des démons juifs, c'est-à-dire qui prennent leur Torah de gens qui ont une Torah qui n'a pas de pied. C'est-à-dire que c'est une Torah qui n'a pas d'Emouna. Ça veut dire qu'une Torah qui n'a pas d'Emouna.